Bonjour! Bonjour. Nous sommes dimanche. Ça va couiner. Ça va couiner. Le café va Bon, ça couine couler. plus. On est levé depuis 8h30. On n'a pas la petite ce matin parce que la petite est chez mes parents. Elle est chez mes parents parce qu'hier on allait acheter une voiture sur Paris et puis qu'on n'allait pas lui faire endurer 5 heures de route aller, 5 heures de route retour, hein. Donc on l'a laissée chez mes parents. Pour une partie du week-end, puisqu'elle est partie quand? Vendredi soir. Et elle rentre là ce matin, donc dimanche matin. Voilà. Donc on s'est dit hier soir en rentrant après les 1000 bornes dans les pattes, on s'est dit on va dormir demain matin. Non. 8h25, j'étais dans le lit avec les yeux grands ouverts. Et j'arrivais pas à m'endormir. Enfin bref, c'est comme ça, que voulez-vous? Il y a un bordel monstre derrière. On a vidé la voiture en fait. Et voilà, faut qu'on la re-remplisse. Enfin bref, donc c'est dimanche. On va aller doucement ce matin. Donc on a notre nouvelle voiture. On voulait aller la laver ce matin. Là, je pense qu'on va y aller. Moi, je vais aller m'habiller parce que bah, je suis pas habillée. Hein, mon amour? Et on va déjeuner avant. Non, on va déjeuner avant. On va déjeuner. Après, je vais aller me préparer. Et après, on va aller laver la voiture. Je voulais aller faire les courses avec Doudou ce matin, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Parce qu'en fait, à midi, on a invité. On fait un anniversaire d'une petite. Qui a 1 an. En fait, elles ont à peu près 15 jours d'écart avec Cali. Donc voilà. C'est aujourd'hui son anniversaire. Et voilà. Voilà. On y croit. Il fait beau encore aujourd'hui. Normalement, ce soir, il y a de l'orage, ils ont prévu, mon chat. Il m'entend plus. Doudou? Ah. Enfin, bon, allez, on va déjeuner. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Bon, étant donné qu'hier soir, nous n'étions pas à la maison, j'ai mis le replay de Danse avec les stars. J'adore cette émission. Et là, je suis en train de faire des pancakes pour ce matin. Donc, j'aimerais faire des pancakes au chocolat avec des pépites de chocolat. Si je trouve les pépites de chocolat, je vais les trouver. Et je vais faire les pancakes. Voilà. Je vous mettrai la recette dans la barre d'infos si vous voulez. C'est de très très bons pancakes. Et je trouve pas mes pépites au chocolat. Est-ce que tu sais où elles sont, les pépites au chocolat, mon amour? Oui. Non, les tiroirs en bas à droite. En bas à droite. En bas, c'est à côté de l'huile, tout ça. On a ton pied, non? Chocolat, chocolat, pépite, chocolat, chocolat. Pardon. Allez, pancake. Pancake, non, je suis pas fatiguée en fait. J'ai bien dormi, mais je sais pas, je dis des conneries. Préparez-vous. Ça va être la journée des conneries. Ouh là là, ça cuit, ça cuit. J'ai mis plein de pépites, hein. J'ai mis un paquet entier. Non, c'est pas des cookies, c'est un pancake. Et j'ai mis de l'huile de coco. Voilà, parce que là, notre plaque, elle commence à accrocher un petit peu, donc ça pue du cul. On a retrouvé notre petit bébé d'amour. Oui! Allez, bim, la claque dans la tronche. Mon bébé d'amour. Puis moi, je me suis préparée, hein, parce qu'il fallait que je me fasse une tronche quand même. Allez, moi, je vais la changer parce que je suis tête en l'air, j'ai oublié de mettre des body à ma maman. Donc, elle l'a gardée depuis vendredi soir et elle avait qu'un body. Voilà, donc elle a dû le laver et le faire sécher, mais voilà. Bon, allez, on va se mettre un body? On va mettre un body. Et voilà, on est parti! Coucou! Et oui, j'ai mis une petite blouse de chez Oh Baby. J'ai pris une petite veste parce que c'est en train de tout se couvrir là. On nous avait dit orage, ben ça arrive. Et on est parti! Coucou! Blondine est aux yeux bleus. Allez, let's go. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous laisse ici parce que bah, on va profiter de l'anniversaire. Et on vous reprend dès qu'on rentre. Je pense qu'on va pas rentrer trop trop tard. Et voilà, moi j'ai mis des petites chaussures. Ah, je vous ai pas montré ma tenue. Alors, attendez, je vais me tourner dans l'autre sens. Alors, j'ai mis une petite robe col bateau. Vous voyez la magnifique cicatrice sur mon genou à cause de la brûlure. Et j'ai mis des petites chaussures à talons qui viennent de chez Naf Naf. Voilà, que j'adore. Voilà. Et puis le petit bidou est de sortie, hein, bien entendu. Hein. On peut plus le planquer, celui-là. Enfin, allez, on est parti. Quoi? Nous sommes rentrés. Je n'ai plus de rouge à lèvres, j'ai tout bouffé. On a passé une très très bonne journée. Là, il est 19h, donc clairement, on y est resté
depuis midi et demi, on y est. Donc voilà, on a passé une très très bonne journée. On a bien mangé. Il y avait de très très beaux gâteaux. Très bons gâteaux d'ailleurs. Oui. T'as goûté poire toi? Oui. Il a goûté des deux. Moi, j'ai goûté au Kinder et il était trop, trop bon. Voilà, Kali, elle a fait une sieste cet après-midi. On pensait vraiment pas qu'elle allait dormir. Elle a fait une sieste d'une heure dans un lit parapluie. Et voilà, elle a bien dormi, donc tant mieux. Elle est pas trop fatiguée, là, et pas trop ronchon, donc c'est bien. Là, elle est en train de jouer, tranquille. On va ranger un petit peu la maison parce que c'est le foin de partout. Doudou, il va aller s'occuper de la petite. Il va lui donner son bain. Moi, je vais faire le ménage en bas. Je vais ranger les affaires. Ranger les affaires de chez mes parents, ouais. Et puis moi, je vais faire le ménage en bas, comme ça au moins on est opé tous les deux et voilà, on est bien. Et ce soir, ça sera tout rangé quand on ira se coucher, parce que vous le savez, on adore quand c'est tout rangé de partout. Voilà, voilà, voilà. Et ce soir, j'hésite entre faire une soupe de potimarron ou alors je fais je sais plus comment ça se prononce, c'est un dal. D-H-A-L de lentilles corail et patates douces, mais je pense que je vais plus partir sur ça. Ça te va? Comme ça Kali elle en mange aussi. Bon, la soupe elle aurait pu en manger aussi. Tout me va. Mais je pense que je ferai la soupe pour demain. Tu me vas. Tu me vas. Tout me va. Tout te va. Mais on est quand même un petit peu fatigué, hein? On est fatigué parce que la journée d'hier, ça n'a pas été de tout repos. Ce matin, on pensait qu'on allait dormir, mais on n'a pas du tout dormi. Mais enfin bref. Allez, let's go. Je vais faire le ménage en bas, en musique. Je vais mettre la musique sur Google Home. Et ménage. Et après, je m'occuperai du dalle en sachant que la recette, c'est une recette Thermomix. Donc, j'essaierai de vous la détailler dans la barre d'infos, de vous mettre le maximum d'informations. Je sais pas ce que ça doit donner si on n'a pas le Thermomix, mais moi c'est une recette Thermomix, donc voilà, mon Thermomix va faire le boulot tout seul. Un bouquet. Bon, et ben voilà. Bon. Après quoi? Une bonne heure de tri. Les vêtements à Kali sont triés, donc j'ai enlevé tout le 12 mois. Et je mis le 18. Bon, là, il reste des cintres qu'il va falloir que j'enlève. Non, parce qu'il y a des vestes qui doivent aller là. Voilà, donc c'est tout. Moi, je suis un peu maniaque là-dessus. Je trie par couleur. Comme ça, au moins, quand je dis à Doudou, bah, t'habilles la petite, tu lui mets tel haut, tel jean avec un haut rouge, un haut rose et tout. Voilà, au moins, c'est rangé. Voilà, donc il y a beaucoup moins de choses en dessous parce que là, c'était bien rempli. Et donc là, hop, donc j'ai mis les petits manteaux, voilà, donc certains sont chauds, certains d'autres un peu moins, enfin voilà, elle a le choix, hein. Un truc habillé, une doudoune, un manteau avec de la moumoute, un truc plus fin, enfin voilà, elle a le choix. J'ai enlevé les chaussures, vous savez qu'on met quand il ne marche pas, pour mettre que des chaussures marche, puisque Kali commence à faire ses premiers pas. Voilà, donc je suis trop contente. Il y en a qui ont encore des étiquettes. Ça, c'est les Vans que Soso avait offert à Kali pour Noël. J'ai trop hâte de lui mettre, elles sont trop belles. Les petites bottines pour cet hiver. Les petites chaussures comme ça, trop mignonnes. Enfin, voilà. Oh là là, mais t'en fais du bruit, mon petit chat. Enfin, voilà. Je suis trop contente. Voilà, donc c'est tout rangé. Les body. Il va falloir que je rachète un peu de body en 18 mois parce que j'en ai pas trop. Là, j'ai rangé les chaussettes, les petits bonnets. Et puis voilà, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Je suis trop contente. C'est fait, on n'en parle plus. J'ai ressorti les pyjamas parce que clairement, il fait beaucoup plus froid maintenant. D'ailleurs, je vais préparer le petit pyjama pour ce soir. Et puis voilà, on va être bon. On va être bon, bon, bon. Dis donc, il y en a de partout. Oh oh, ouais. Oh oh. Oh oh. Oh Calinette. Oh ma Calinette, couette couette. Bon, et sinon, qui dit changement de taille, eh ben dit, voilà, bassine pleine. Donc là, c'est du 12 mois. Là, il y a un petit peu de 12 mois et il y a son sac. Du 12 mois et du 12 mois, donc on va tout mettre en sac sous vide et on va mettre ça dans des caisses, il faut que j'aille racheter des caisses Ikea d'ailleurs, pour pouvoir ranger tout ça parce que là c'est un foin monstre, voilà, 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 mais c'est tout le 12 mois,
Voilà. Et comme on ne sait pas encore le sexe du bébé, ben on garde tout en fait. Comme ça, au moins, voilà, on ne va pas revendre pour dire de racheter dans 6 mois. Ça sert strictement à rien. T'as tout compris, ma chérie. Enfin voilà. Et puis il faut que je jette ce carton là. C'est une bouteille d'hélium, mais il n'y a plus d'hélium dedans. Donc ça sert à rien de le garder. Ben non. C'est l'heure de manger. Je viens de faire une petite purée de patates douces et de pommes de terre à Cali. C'est bon. C'est bon. Doucement, ça fait du bruit le tracteur. Enfin, c'est un wagon de train, mais pas un tracteur, mais bon. Ouais. Bon, sinon, et pour nous, j'ai fait des petites papillettes de poisson pour ce soir avec le dalle qui est ici de lentilles corail patate douce. Alors, je le laisse au chaud. Voilà, pendant que le poisson cuit. À midi, on a mangé que du froid. Donc, enfin, il y avait des salades, la charcuterie et tout. Donc, ce soir, on mange un petit peu plus consistant. Même si à midi, on a très très bien mangé. Hein, mais voilà, ce soir, c'est chaud et un petit peu plus consistant. On va se régaler parce que ça sent trop trop bon le dalle, là. Je peux vous dire que ça sent divinement bon. Et voilà la petite assiette poisson que j'ai fait cuire en papillote. Vous savez, les papillotes en silicone, là. Et le dalle. Alors ça, normalement, ça se mange avec du riz. Mais je voulais pas refaire du riz à côté. Voilà, entre les lentilles corail et les patates douces, je pense que ça suffit largement. C'est bien chaud. Et j'ai fait un petit pot pour demain pour Cali. Voilà, avec un petit peu de poisson que j'ai émietté sur le dessus. Ça sera parfait pour chez la nounou. Et voilà, on va manger parce qu'il fait faim. Oui. Et Cali, elle est en train de manger son yaourt. Son petit filou. On est devant la télé. J'ai une cuillère. Et une compote. Oh, bah, qui ne l'a jamais fait? Qui n'a jamais mangé dans le pot de Nutella la petite cuillère? Si toi aussi t'aimes le Nutella, mets un gros pouce bleu sur la vidéo. Pas un pouce bleu, faut mettre hashtag team Nutella à la petite cuillère. Hashtag team Nutella selfie Cali. N'importe quoi. Enfin, c'est bon le Nutella. Alors, oui, il y a de l'huile de palme, etc., etc. Pardon. N'importe quoi. C'est très bon le Nutella. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, on regarde le film sur la 1. C'est quoi le titre? Ma famille... T'adore déjà. C'est marrant. Il y a plein d'acteurs qu'on connaît. J'aurais dû me descendre des cotons et faire de la couture en regardant ça, mais... Je vais descendre les cotons. Ouais, on va bosser en même temps. Oui. On va bosser en même temps. Voilà, donc moi je vais bosser d'une main et de l'autre je mangerai du Nutella. Non. Quoi? Non, mais on fera ça avec les pieds, comme ça on sera double productif, on mange et en même temps on travaille. Non, toute la journée on fait ça. Non. Et quand on dort, hop, on ferme les yeux. Mais par contre, après le film, on va se coucher parce que moi je suis éclatée. Ouais, n'importe quoi. Le aussi. En mode digestion. Ah, il est éclaté. Allez, bisous. Tu veux me dire que tu as nettoyé la manche, hein? Ouais. Quand je sais qu'il est fatigué. Mais non, on n'est pas fatigué. Si, on est fatigué. Non, on n'est pas fatigué. Regardez ses yeux. Il est fatigué. Toi aussi, tu es fatigué. Bah oui, mais moi, je le dis. Allez, mon pot de Nutella m'appelle. Ok, je suis avec mes cotons, mon marqueur, mes enveloppes et tout. Je suis en train de préparer des enveloppes pour l'envoi des commandes. J'ai envoyé 9 commandes. J'aimerais en refaire 8. Alors, je pense que ça ne sera pas fait pour ce soir. Ça sera fait pour demain. Mais je suis à peu près à jour. À peu près à jour dans mes commandes. En sachant que je laisse toujours un délai. Parce que clairement, je ne peux pas me permettre de dire bah, livrer sous 24 heures. Non, c'est pas possible. Ça serait que mon boulot, oui, ça serait possible, mais c'est pas que mon boulot, donc voilà. Après, sur mon site, c'est marqué qu'il y a un petit délai, et que ça peut aller jusqu'à 6 semaines de délai, parce que voilà, clairement, j'ai que 2 mains, même si Doudou m'aide énormément, ben voilà, j'ai que 2 mains. Enfin bref, donc je vais finir tout ça, j'ai remis la fin du replay de Danse avec les Stars, parce que je l'avais pas terminé tout à l'heure.
Et je kiffe toujours autant cette émission. J'adore les voir danser. Je trouve ça tellement, je sais pas, classe. Bon, après, ils en font toujours un peu trop. Hein. Quand il y a un beau mec, eh ben, il est torse nu, nanana. Quand c'est une belle femme, ben, elle est... hein, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, j'aime bien cette émission. Voilà, je sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais moi, j'aime bien. Voilà, allez, je vais bosser. Et il faut que je réponde aux commentaires accessoirement. J'ai énormément de commentaires en retard qu'il faut que je valide, qu'il faut que je like, que je réponde. Et voilà, ça va bien se passer. On y croit. Il me faudrait des journées de 48 heures, en fait. Et un week-end de 4 jours. Voilà. Je pense que je vais faire une pétition et qu'on va signer la pétition pour le week-end de 4 jours. Bon, je suis actuellement dans le garage. J'étais en train de regarder le temps pour demain. Et en fait, il fait super froid. Donc, je vais sortir un petit... Alors, un petit manteau pas trop chaud. Hein. Je ne vais pas sortir la doudoune quand même. Faut pas abuser. Mais genre, vous savez, un petit truc comme ça là, ou un perfecto. Voilà. Parce que le matin, il va faire froid. Bon, l'après-midi, un petit peu moins. Mais le matin, ouais. Et je ne sais pas quoi prendre comme manteau. Tout va bien. Je ne sais pas. Je peux peut-être prendre le petit perfecto là. Taupe. Ou je sors celui-ci. Le jaune moutarde, tenez. Petit jaune moutarde. J'ai mis un jean brut pour demain et un haut noir. Donc avec du jaune moutarde, ça ira bien. Et je mettrai une écharpe noire. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Le petit manteau jaune moutarde. Et je vais sortir les petites bottines. Hein. Noir, alors ou celle-ci avec un petit peu de talons, non il y a trop de talons là, celles-ci elles sont pas mal, bon par contre j'aime pas le bout pointu, oh putain la meuf indécise, ah bah celle-ci ça va très bien, regardez je vais les frotter un petit peu parce que ça fait un moment que je les ai pas mises, mais celles-ci elles peuvent être pas mal, hop donc celle-ci, mon petit perfecto jaune moutarde avec mon jean brut, mon haut noir, et puis ça ira parfaitement. Voilà, puis moi je serais parée parce que demain matin il fait 9 degrés, on va se geler les miches. Le temps a vite changé là, cet après-midi, ce matin il faisait super bon, grand soleil et tout. Mais alors cet après-midi on s'est gelé les miches avec ma petite robe et tout là, à l'anniversaire, franchement j'avais pas chaud. Hein. Enfin bref, allez, jaune moutarde, les petites bottines, la petite écharpe noire et puis voilà, on est parée. On est paré et on va aller au dodo. Oh, la lumière tamisée. Bon, j'ai fait 8 commandes qui vont partir demain matin, donc je suis très contente, c'est très bien. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. On a regardé Capital, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était bien intéressant, donc on a été capté. Mais là, il faut qu'on aille se coucher parce que demain, on se lève. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Bon, c'était un dimanche assez court parce que voilà, on était invités et tout, mais c'était un bon dimanche. J'ai été contente de retrouver ma petite Calinette parce que malgré tout, moi je l'avais pas vue depuis vendredi midi, quoi. Donc ça m'a fait plaisir. Et voilà, on a passé un très très bon dimanche. On a fêté bien l'anniversaire. Malheureusement, on n'a pas eu un super beau temps, mais bon, c'est comme ça. C'est fini l'été et pourtant il a bien duré quand même parce qu'on est en octobre bientôt. Demain d'ailleurs on est en octobre. Donc voilà. Voilà. Pour une fois je ne vous retrouve pas dans la salle de bain, tiens. Et Doudou n'est pas là, il est dans le bureau en train de travailler sur certains papiers. Enfin voilà, j'ai préparé mes affaires pour demain. J'aime bien moi le dimanche tout préparer, surtout quand je suis du matin en fait. J'ai pas envie d'allumer la lumière, de réveiller Doudou, de... Voilà, je prépare tout dans la salle de bain. Et comme ça, ça se passe dans la salle de bain, ça fait moins de bruit, ça réveille pas Cali, parce qu'à 6h30, elle dort encore. Enfin, voilà. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos pour les recettes que je vous ai faites. Je vous détaille tout, même si c'est une recette Thermomix. Voilà, je vous mets tout dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très très vite.